Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters avec le Real de Madrid. Et c'est donc la quatrième journée de Liga face à Alaves. On est le 23 septembre et on y va. On va voir les joueurs en méforme. Il n'y a que Dani Carvajal. Oh, on va mettre... comment est... Non, il est pas aussi bien. On va mettre Nacho. Et on va garder notre attaque comme ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre. La météo est incertaine, je préfère vous prévenir. Mais en revanche, je peux vous assurer que tout est prêt pour vous faire vivre ce match. Allez, c'est parti. Terminé, le stade s'est rempli peu à peu. On va pouvoir commencer les poignées de secondes. Et d'abord vous donner la composition des deux équipes. Attention, Johnny. Oh, et Guidetti. Et le poteau. Ouh, première grosse occasion pour Alaves. Après 2 minutes de jeu, Benzema... Ah oui, la bonne talonnade d'Mbappé pour Carvajal. Benzema qui recherchait Mbappé. Dégaré. Ouf. Attention, Johnny. Waouh. Allez, faut se dégager là. Mbappé qui est passé. Kylian Mbappé. Mbappé pour Bale. Et 1-0. 1-0 pour le Real. Et le ballon pour Bale. De nouveau Bale, ah non. Marcelo. Le centre vers Mbappé. Cross. Et Benzema. Modric. En profondeur vers Gareth Bale. Gareth Bale. Oh, pas de faute. Signale l'arbitre. Oh, c'est bien joué. Caleri. Caleri est bien repris par Sergio Ramos. Marcelo. Bale. Benzema. Et Bale. Sur le côté gauche. Et Benzema contré. Dans la profondeur, parfaitement piqué. Va-t-il en profiter? Sergio Ramos, au bon endroit, au bon moment. Mbappé. Le bon 1-2 avec Modric. Kylian Mbappé.
Mbappé et Benzema, 2-0. Allez. Ouh, attention. Mbappé. Ouh. Le bon arrêt du gardien sur cette frappe de Kylian Mbappé. Toni Kroos pour le frapper vers Kylian. Non. Ramos, Marcelo, Kylian Mbappé, qui va enrouler. Bale, Modric, Nacho, ex-Nacho, le centre de Nacho vers Gareth Bale. Oh, l'avantage, il est super long. Et la sortie de but. Modric, le centre vers Bale. Guidetti, Johnny, et à la mi-temps, on mène 2-0. Oh, Mbappé qui a récupéré le ballon. Ah non. Casemiro. Ah non. Et Bale qui a récupéré. Et Mbappé pour le 3-0.
Ouais. Le ballon dans la profondeur. Le ballon pour Ribé Gomez. Et Nacho qui intervient bien. Ce sera un corner. Ruben Duarte. Ibe Gomez. Le centre vient repousser. Et Mbappé qui est passé. Ah, il a mis du temps à transmettre son ballon. Vinicius. Benzema, Vinicius encore. Pour Mbappé. Et le quatrième but et le doublé de Mbappé. Ah non. Casemiro, Isco. Le 4 contre 3. Isco qui n'a laissé personne. Benzema. Le doublé de Karim. Isco qui n'a laissé aucune chance à personne. Et qui frappe malheureusement sur le poteau. Mais Benzema était là pour finir le travail. Et Vinicius à côté. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Ah, hors jeu. Non, il est signalé hors jeu. On prend des risques en défendant très haut comme ça, mais le hors jeu est bien signalé. Le gardien loin devant. Ah, Vinicius. Et Isco! Non. Le ballon en touche. Ah, le ballon par-dessus pour Mbappé, mauvais contrôle. Il était bien présent.
Ah non. Mbappé qui va tenter de récupérer, mais non. Ibe Gomez. Et là, c'est Isco. Isco, la frappe lointaine! Et l'arrêt du gardien. Corner ou non? Touche. Risque de blessure. Non, faut du piment. Le centre. Oh yeah, yeah. De toute façon, j'ai fait mes trois remplacements. Donc ça, c'est une interception parfaite. La passe dans la profondeur. Vinicius. Dans la surface. Oh, penalty. Poum, le coup de coude. C'est une occasion unique de prendre le large. Il faut réussir son geste maintenant. Et le but de Ramos. 6-0. La faute signalée, carton jaune pour Ramos. Et l'arrêt du gardien, le dégagement vers Karim Benzema, Isco et Mbappé qui accélère. Peut-être pour le septième but. Mbappé! Et voilà! Pour clôturer ce résultat, le triplé de Kylian Mbappé. 3-0, 7-0. Triplé de Mbappé. Quand si tôt dans le match ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire... Et la belle victoire 7-0, 14 tirs. Mbappé, homme du match. Qu'est-ce qu'a fait Barcelone? Barcelone a perdu. Barcelone n'y arrive pas dans ce début de saison, ils sont 17e. Nous on est 2e avec 10 points. Gironne qui fait un sans faute pour le moment. Vinicius qui continue d'augmenter. Sectionner joueur préféré. Alors, qui c'est qu'on va mettre? Joueur préféré. Je vais mettre Karim Benzema. Voilà. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. I'll never stop.